Toujours plus d'actu sur BX1+. Nous sommes à nouveau dans un moment d'inquiétude face à l'épidémie de la Covid-19. La remontée des contaminations est une évidence. On vous en a déjà beaucoup parlé dans cette émission ces derniers jours. Mais il y a peut-être une demi-bonne nouvelle qu'on voudrait souligner ce midi avec vous. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. C'est un léger frémissement dans les demandes de vaccination en région bruxelloise. Et ce serait peut-être dû, on va rester prudent et employer le conditionnel, ce serait peut-être dû à l'instauration du Covid Safety Kit. Oui, c'est la COCOM, la commission communautaire commune qui a partagé cette information il y a quelques heures. Selon les derniers chiffres, les rendez-vous pris pour une première vaccination ont augmenté de 25% par rapport au mois de septembre. Septembre, période où le Covid Safety Kit n'était pas encore instauré. Il a été le 15 octobre, on le rappelle. Alors évidemment, compliqué de dire avec une extrême précision que toutes les personnes venues se faire vacciner dernièrement l'ont fait à cause du CST, mais on peut évidemment supputer qu'il a eu un impact. Face à ce constat, on peut noter que la capacité d'accueil des centres de vaccination a été adaptée. Plus de vaccinations peuvent donc être effectuées au même moment, le tout face à cette augmentation due au CST, mais aussi, il faut le noter, la venue désormais des plus de 65 ans qui viennent recevoir leur troisième dose. Et notons quand même que si le nombre de prises de rendez-vous a augmenté depuis septembre, 25% on le disait, il n'y a pas encore, selon le dernier rapport de la COCOM ce jeudi, de hausse des nouvelles vaccinations en première dose ces trois derniers jours. On est dans quelque chose de constant. Alors peut-on attribuer cette hausse des rendez-vous pour première dose uniquement au CST? J'ai pu interroger ce matin Ivan Latem, le porte-parole interfédéral Covid, lors du point presse du centre de crise. Je vous propose de l'écouter. Alors, je ne sais pas si c'est seulement le CST ou si c'est le fait que les gens se rendent compte que nous vivons de nouveau une résurgence de l'épidémie et qu'il est peut-être temps effectivement de balayer les derniers doutes au vu des milliards de personnes qui ont reçu le vaccin sans qu'on ait dénombré de manière significative des effets secondaires suffisamment délétères pour qu'on puisse dire que le vaccin n'a pas son intérêt. Il a un intérêt majeur par rapport à une minorité d'effets secondaires sévères. Et donc on a probablement un mixte entre, comme dans tous les pays qui ont fait un CST d'implication plus importante, le fait que l'on se sent amené à être vacciné, peut-être parfois contre son gré, par la réalité des choses et de la vie quotidienne, et peut-être, je l'espère aussi, par une meilleure compréhension de l'impact du vaccin, surtout lorsqu'on a une résurgence comme maintenant. Voilà, petit frémissement du côté des vaccinations. En revanche, pour la troisième dose, là, on est toujours à la traîne. Oui, la dose supplémentaire semble ne pas séduire largement. On le rappelle, pour l'instant, cette dose de rappel est réservée aux personnes vivant en maison de repos, aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes immunodéprimées. Et selon des chiffres partagés par RTL ce jeudi, seul un quart des Bruxellois visés par la troisième dose se sont présentés pour la recevoir. C'est beaucoup moins qu'en Wallonie, 48%, et que la Flandre, 80%. De quoi inquiéter les autorités, puisque c'est justement ce public qui est le plus à risque d'une hospitalisation ou d'un Covid plus grave dans le cas d'une infection de percée, c'est-à-dire lorsque, même en étant vacciné, on fait le Covid. Alors comment expliquer ces troisièmes doses à la traîne et que faire surtout? Du côté du cabinet d'Alain Marron, le ministre bruxellois de la Santé, on m'indique qu'effectivement les plus de 85 ans n'ont été invités que la semaine dernière et les 65-85 depuis cette semaine, et ce seulement s'ils sont éligibles, soit qu'il y a un certain un nombre de mois qui sont passés depuis leur deuxième dose. Alors, quelles autres pistes d'explication peut-on voir? Écoutez à nouveau Ivan Latem. Alors, je pense qu'il faut différencier deux choses pour la troisième dose. Il y a la troisième dose, d'une part, qui est administrée aux personnes immunodéprimées, pour lesquelles, heureusement, à Bruxelles, le taux est plus important que 15% pour l'instant. À ma connaissance, il est d'ordre de 25 à 30%, ce qui est loin d'être miraculeux, bien sûr. Il y a aussi la troisième dose booster qu'on est en train d'administrer aux personnes plus âgées. Cette troisième dose booster, il est trop tôt pour en juger. Par contre, je pense qu'effectivement, on doit regretter que la véritable troisième dose nécessaire pour une bonne immunogénicité chez les patients immunodéprimés soit si peu suivie par les patients bruxellois. Je pense qu'il faut encore essayer de comprendre ce qui se passe exactement, puisque ces personnes sont normalement suivies de manière très proche par des médecins spécialistes, et que donc il serait particulièrement important qu'au niveau des gens qui les suivent, on instigue ces personnes à recevoir leur troisième dose.
Voilà, donc la troisième dose nécessaire, ne la boudez pas. Et on va terminer avec un petit rappel sur les chiffres de contamination et d'hospitalisation. Où est-ce qu'on en est à Bruxelles, Arnaud ? Alors la situation, elle est loin d'être idéale dans la capitale, comme dans le reste du pays d'ailleurs. Actuellement, le taux d'incidence à Bruxelles est de 493 personnes contaminées pour 100 000 habitants. La semaine dernière, on était à 422. Le taux de positivité, donc le nombre de tests positifs sur le total réalisé à Bruxelles, est aussi en augmentation, 7,6% contre 6% la semaine dernière, tout comme le taux de reproduction, donc le nombre de personnes qu'un Bruxellois contaminé peut infecter. Ce taux, il est repassé au-dessus de 1, signe donc que l'épidémie est en accélération. Du côté des hospitalisations, on était à une moyenne de 16 patients hospitalisés à Bruxelles chaque jour, 42% d'augmentation. Cela représente actuellement 224 patients hospitalisés, dont 59 en soins intensifs, une augmentation de 20%. Dernier point, ce sont les décès qui semblent moins alarmants, 17 personnes cette semaine à Bruxelles, mais il faut savoir qu'en matière de hausse, entre les contaminations et les hospitalisations, on compte souvent 2 semaines, et idem entre les hospitalisations et les décès. Donc si ces décès doivent suivre eux aussi une courbe ascendante, cela ne devrait se voir que d'ici quelques jours ou semaines. Voilà, merci beaucoup Arnaud Bruckner. Arnaud qui revient tout à l'heure à 13h05 avec son invité, ce sera pour parler du droit de vote aux élections européennes, droit de vote qui sera désormais possible à partir de 16 ans.